Voilà, eh bien, bonjour tout le monde, c'est moi Homer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo particulière. Et oui, mes amis, aujourd'hui, c'est le Pokémon Direct. Après le Nintendo Direct qu'on avait regardé la semaine dernière. Du coup, Nintendo, Game Freak et Pokémon Company ont sorti le Nintendo, enfin, le Pokémon Direct. Voilà, j'espère que vous allez apprécier. Du coup, voilà, donc dans cette vidéo, nous allons regarder le Pokémon Direct. Nous allons voir qu'est-ce qui pourrait être annoncé. Bon, entre parenthèses, parce que vous savez que la Switch est en train de mourir et qu'il y aura bientôt la Switch 2. D'ailleurs, en parlant de la Switch 2, il y a eu des nouvelles informations, des rumeurs qu'apparemment, la Switch 2 sortirait au mois de mars 2025. Mais pour une raison, apparemment, ce serait pour éviter les scalpers, ceux qui font... qui augmente les prix de la console, tout simplement, éviter des pénuries et tout ça. Et aussi, pour que les développeurs de Nintendo et d'autres éditeurs puissent avoir plus de temps pour développer leur jeu pour la Switch 2. Mais ça, c'est un autre sujet plus tard. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour une vidéo très spéciale parce que c'est le Pokémon Direct. Et oui, aujourd'hui, c'est le jour, la journée très spéciale de Pokémon. Donc, joyeuse journée à tous pour la journée Pokémon. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. C'est vrai que Pokémon, c'est une licence emblématique de Nintendo et Game Freak qu'on adore jouer depuis notre enfance. C'est vrai que j'adorais cette licence. Et du coup, voilà, pour fêter cette journée très spéciale de Pokémon, du coup, bah, nous allons regarder le Pokémon Direct. Nous allons découvrir ensemble quelles sont les nouveautés, qu'est-ce que Nintendo et tout ça vont annoncer. Bon, écoutez, les amis, du coup, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais bien faire un petit coup de gueule, voilà. Voilà, ça m'a pris beaucoup de temps pour faire la vidéo parce qu'en fait, voilà. Quand j'essaye de télécharger des vidéos sur YouTube justement pour garder le Nintendo Direct ou des vidéos comme ça, bah ça m'a pris du temps parce que j'essaye de télécharger des vidéos, ça marche pas. Bah quand j'essaye de télécharger des vidéos, des fois j'ai ce message d'erreur que je vous montre à l'image. Et après t'as aussi ça aussi. Franchement c'est vraiment bizarre, franchement t'essayes de télécharger une vidéo YouTube, ça marche pas. Franchement des fois c'est marqué que le serveur fonctionne pas et tout, je sais pas. Faut vraiment que ces sites trouvent des solutions pour régler leurs problèmes hein. Mais bon, ça, c'est vrai que c'est ultra casse-couille. Hein. Mais bon, ça, je sais rien faire. Mais voilà, du coup, les amis, donc, on va regarder le Nintendo Direct. Enfin, le Pokémon Direct. Hein. J'espère que vous allez apprécier. Ben voilà, du coup, les amis, pour ceux qui s'en rappellent, la semaine dernière, nous avons regardé le Nintendo Direct Partner Showcase. Donc, c'était le Nintendo Direct qu'on avait regardé en vidéo pour découvrir des annonces des éditeurs tiers partenaires de Nintendo. C'est vrai qu'on aurait bien aimé un vrai Nintendo Direct, mais bon, c'est vrai qu'avec les rumeurs de la Switch 2 et tout ça, c'est que la Switch est en train de mourir parce qu'il y aura bientôt la nouvelle console de Nintendo. Mais ça, honnêtement, voilà. Apparemment, on aurait un vrai Nintendo Direct au mois d'avril, mais ça, c'est un autre sujet. Et du coup, je vous parle du Pokémon Direct, donc, enfin, le Pokémon Present. Moi, je l'appelle le Pokémon Direct, mais bon, on l'appelle ça le Pokémon Present. C'est un genre de Nintendo Direct où Game Freak, Nintendo et Pokémon Company dévoilent leurs nouveautés concernant la licence Pokémon, soit de dessin animé ou en jeu vidéo, ou même d'autres trucs. Et du coup, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. On va regarder le Pokémon Present, le Pokémon Direct. Ce serait vraiment bien. Ah oui, du coup, les amis, je sais pas si vous avez été au courant, c'est que Nintendo a posté ceci concernant le règlement pour ceux qui veulent regarder le Pokémon Direct en vidéo. Ça fait penser aussi à la conférence de Level 5 qu'ils ont sorti un règlement. Pour ceux qui veulent regarder le direct, tout simplement, bah c'est ce qu'on va faire. On va respecter le règlement, hein, comme la conférence de Level 5. Mais bon, c'est ça aussi que quand ils ont posté ça, bah comme Nintendo a posté ce que je viens de vous mettre à l'écran, bah ça fait un peu polémique. Mais bon, ça, j'espère que Nintendo, Game Freak et tout ça ne vont pas supprimer cette vidéo pour ça. Hein. C'est vrai que c'est chiant, mais bon, ça fait penser à l'époque de YouTube que Nintendo. Il fait copyright claim des jeux quand on joue à leur jeu, c'est bizarre. Mais bon voilà, du coup on se retrouve pour le Pokémon Direct. Donc on va regarder ça dans cette vidéo. En tout cas, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour suivre les prochaines vidéos. Et en tout cas, voilà. Bon bah du coup les amis, est-ce que vous êtes prêts? On va regarder le Pokémon Present. En tout cas, bah je vous souhaite à tous un bon visionnage et j'espère que vous allez apprécier. Du coup les amis, avant de regarder le Pokémon Direct, bah vous pouvez aller sur la page de YouTube. Par contre, je me cache parce que du coup en fait voilà, c'est parce qu'en fait je fais cette vidéo plus tard que prévu parce que je vous ai expliqué que j'ai eu du mal à télécharger la vidéo à cause des sites qui permettent de télécharger des vidéos mais que ça marche pas. Et aussi une autre raison pourquoi je fais cette vidéo un peu plus tard que j'avais prévu initialement.
C'est parce que voilà, aujourd'hui j'étais chez le coiffeur, hein. Bah écoutez, hein, faut aller chez le coiffeur de temps en temps, ça je comprends. C'est vrai, j'étais chez le coiffeur, mais bon, ça, c'est vrai qu'il y a des rendez-vous à faire quand il faut aller chez le coiffeur et tout ça, hein. Ça c'est la vie comme ça, mais bon, ça je comprends, mais bon. Voilà, donc vous pouvez revoir le Pokémon direct juste là, hein. Vous pouvez le voir ici. Par contre, je vais pas regarder à droite pour pas me faire spoiler, hein. C'est pour ça que quand je fais des vidéos sur des Nintendo Direct et tout ça, j'ai pas envie de me faire spoiler. Mais bon, on va juste fermer ça. Et du coup les amis, ce qu'on va faire, bah on va regarder le Pokémon direct, hein, tout simplement. Bah je vous souhaite à tous un bon visionnage. Et du coup mes amis, vous êtes prêts? On va regarder le Pokémon direct. Allez, c'est parti. On commence avec l'intro avec Pikachu. Voilà, avec la musique, le célèbre licence. Ok, les Pokémon que vous connaissez. Je suis impatient, franchement. Ok, d'accord. Pourquoi vous me regardez, lol? Ok, sympa l'animation. Ok, très bien. Ok, Pokémon Prison. Ah bah c'est parti pour le direct, hein. C'est parti pour le direct, nous allons voir ce que c'est. Alors bonjour à toutes et à tous, je suis Tatsukazu Ishihara de Pokémon Company. Nous sommes le 27 février, la date de la journée spéciale Pokémon. Ce jour marque l'anniversaire de la sortie des jeux, bah je crois que les premiers jeux, hein, de Pokémon Rouge et Verte. L'aventure Pokémon a commencé simplement avec la collection, l'échange et le combat dans Pokémon Rouge et Verte. Et touche désormais de nombreux aspects de nos vies, dont la marche et le sommeil. Nous avons à cœur de continuer à innover au sein de l'univers de Pokémon et nous espérons poursuivre cette aventure à vos côtés. Aujourd'hui, nous allons évoquer l'actualité Pokémon du moment et vous informer des dernières sorties. Monsieur Itsumiya, à vous la parole. Alors bonjour, je suis Takato de Pokémon Company. J'espère que l'aventure vous a plu. Dans Pokémon Écarlate et Violet aussi, ce jeu-là aussi, pour fêter la journée Pokémon, voici une série de raids d'Era Crystal d'événements pour affronter un Florizarre, un Turtwig et un Dracaufeu surpuissant. Ok, le premier raid d'Era Crystal de cette série commence demain. Nous espérons que vous allez apprécier ces raids. J'aimerais aussi vous donner les dernières nouvelles concernant d'autres jeux. Un nouveau Pokémon? Si c'est un nouveau Pokémon, je sais pas, on va voir. Qu'est-ce que c'est? Pokémon Go? Ok, à propos de Pokémon Go, qu'est-ce qu'il y aura? Pokémon avec Pokémon Horizon. Une collaboration arrive dans Pokémon Go. Ok, ça c'est le dessin animé, le dessin animé de Pokémon, hein, le nouveau, hein. Ok. Bon, j'espère que j'aurai pas des copyright avec les extraits du dessin animé. Ce serait bizarre, mais bon. Ok, très bien. Il maîtrise même une attaque encore inédite dans Pokémon Go et Electak. Ce n'est pas tout. Alors, Charbanban, Garmadura et Melvan, ok, seront là pour quand vous prenez une photo avec Lichego. Très bien. Partez à l'aventure avec votre nouvel entourage. Ok, ils apparaissent en ce moment pour la journée. Très bien, ça c'est la série animée qui va être diffusée sur Gulli. Super. Pokémon Sleep. Ah, c'est quoi avec le Pokémon Sleep? Qu'est-ce que sera comme nouveauté? On va voir c'est quoi les nouveautés. Ah. Ok, très bien. J'ai hâte de voir ce que c'est. Ouais. Ok. Ça va être quoi comme nouveauté? Allez, on va prendre une photo. Dodo, concentration. Pokémon Sleep, Raikou arrive en mars. Ah, des nouveaux Pokémon. Ça, c'est cool, ça. Super. Pokémon Sleep. Obtenez un cadeau rien qu'en vous connectant. La période s'achèvera le 30 avril. Pokémon Master. Ah, c'est un nouveau jeu? Hein? Ah! Maintenant, j'abandonne jamais. C'est que le début. On est les plus forts du monde. C'est un remake? C'est un nouveau jeu? C'est un remake de la DS? Là, on a vu les images de la DS. Pokémon Master. Ah non. Ah non, ça, c'était un jeu d'avant, ça. Ok, je pensais que c'était un nouveau jeu. Ok, je pensais que c'était un nouveau jeu sur Switch, un truc comme ça. Ok, bon. Bah, tant qu'à faire, hein. Autant pour moi. Pokémon Café Remix. C'est déjà sorti ce jeu-là, hein. Ok.
Donc c'est ce jeu sur Switch, j'imagine. Oh, sympa l'animation. Par contre, j'espère qu'il n'y aura pas de copyright, mais bon. Ok. Nouveau contenu, résolvez des... Ok. Des événements. Pokémon Café Remix sur Switch, très bien. Ok, Pokémon Unite. C'est un autre jeu Switch, j'imagine, ou sur mobile, je sais plus. Ça a l'air stylé. Mireidon. Hexadron, très bien. Très bien. Un événement spécial. Jusqu'au 23 mars. Ok. Ok. Code cadeau qu'on peut le mettre. Très bien. Intéressant. Est-ce qu'il y aura un nouveau jeu? Ah, Pokémon Present. Ok. Ah oui, c'est l'animation qu'on a vue avec le teaser. Ça veut dire quoi? Ok. Alors présent, je vous propose de regarder une vidéo. Qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau jeu? Je sais pas, on va voir. You got a pack. Le jeu sera en français. Oh, c'est un nouveau jeu? It's a new game, c'est un nouveau jeu? C'est quoi? Des cartes? Oui, c'est quoi? Ce sera des cartes Pokémon dans un jeu? Ouais. D'accord. C'est quoi? C'est un nouveau jeu ou c'est quelque chose de... Je crois que c'est un nouveau jeu, hein. Un nouveau jeu sur mobile de Pokémon, c'est ça. Découvrez vos nouveaux favoris. You got a pack. Faites des échanges entre amis. Ah, par contre, là, j'ai peur qu'avec la musique, ce serait copyright. Hein. Ok. Une nouvelle expérience du GCC Pokémon. Ouais. Ça doit être un nouveau jeu, hein. Sur mobile. Quelle carte allez-vous trouver? Ok. Ok, donc c'est Pokémon carte à jouer à collectionner Pocket. Ok, c'est un nouveau jeu sur mobile. Oh, pas mal. Sortie prévue en 2024, très bien. Présenté par Pokémon Company, créature DNA. D'accord, vous venez de découvrir les premières images du jeu de cartes à collectionner Pokémon Pocket sur mobile. Vous pouvez collectionner assez aisément des cartes Pokémon comme le font de nombreux fans à travers le monde depuis 1996. Dans un tout nouveau format numérique. The Pokémon Company développe ce jeu en partenariat avec Creatures Inc. À l'origine du jeu de cartes à collectionner. Et DNA avec qui nous collaborons dans Pokémon Master UX. Pour fêter la sortie future de ce jeu, voici un message de Yu Kitano, président directeur général de Creatures Inc. Monsieur Kitano, à vous la parole. Alors bonjour, je suis Yuji Kitano de Creatures Inc. Premièrement, un grand merci à celles et ceux qui jouent au GCC Pokémon. Le jeu de cartes à collectionner Pokémon Pocket offrira une nouvelle manière de profiter du GCC Pokémon. À cette fin, nous créons des cartes numériques. Lors de la conception d'une carte physique, nous soignons la qualité du papier, le rendu des couleurs et l'impression. Pour ce nouveau jeu sur appareil mobile, nous nous efforçons de soigner d'autres aspects propres au numérique. Nous tirons profit des caractéristiques de l'écran pour un rendu de couleurs et des effets visuels éclatants. Par exemple, nous avons mis au point des cartes immersives qui vous permettront de plonger dans l'univers de l'illustration de la carte.
Nous avons aussi créé des règles de combat simplifiées, fondées sur le système existant, permettant de lancer une partie rapide à tout moment de la journée. Ok. Nos trois entreprises travaillent dur pour offrir une expérience divertissante aux adeptes du GCC Pokémon, ainsi qu'à quiconque qu'ils avaient encore jamais joué. Nous espérons que vous apprécierez le fruit de nos efforts dans le monde du GCC Pokémon, le jeu de cartes à collectionner Pokémon Pocket. Merci beaucoup. Très bien. Merci, Monsieur Kitano. Ok, en 2024, le lancement du jeu de cartes à collectionner Pokémon Pocket est prévu au courant 2024. D'autres informations seront révélées prochainement. Une dernière chose. Nous aimerons clore cette diffusion avec une dernière vidéo. Oh là 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 là! Oh là là, c'est quoi la dernière annonce comme un Nintendo Direct? C'est un nouveau jeu en remake, peut-être? Ok. Ok, très bien. C'est quoi la dernière annonce? Oh, j'ai hâte de savoir c'est quoi la dernière annonce. J'espère que c'est quelque chose de bien. Alors, c'est quoi la dernière annonce? Game Freak! C'est un jeu sur Switch? Un nouveau jeu, un remake? Oh my god. Confidentiel. Non, c'est pas un nouveau détective Pikachu en tout cas, ça a pas l'air. Plan de raménagement urbain. Un monde idéal où humains et Pokémon vivent en harmonie. C'est quoi la dernière annonce, please? C'est un nouveau jeu ou pas? Je sais pas, on va le découvrir, on va le savoir. Waouh, c'est quoi? Ça a l'air stylé, c'est un nouveau jeu? Ouais. C'est quoi? C'est pas un nouveau détective Pikachu encore, hein? Ils ont sorti le 2 il y a quelques mois. Oh là 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 là. C'est une nouvelle aventure Pokémon, c'est ça? La Gen Den? Gen X? Oh my god. Je sais pas quoi dire, mais honnêtement, si c'est un nouveau jeu, si c'est... Je sais pas. Je sais pas. Ça veut dire quoi? Illumis? Ouais, Illumis. Légende Pokémon? Légende Pokémon Z? C'est un nouveau jeu? Oh, trop bien! Sur Switch? Yes! Sortie mondiale en 2025! Il y aura la Switch 2 bientôt aussi. Ok, un nouveau jeu Pokémon! Oh my god. Ah, il y a un truc à la fin. D'accord, on sait pas trop ce que ça veut... On sait pas ce que ça veut dire, mais c'était incroyable. Voilà. Eh ben voilà, du coup les amis, c'est la fin de cette vidéo. Alors là, bah, le Pokémon Direct, ça a été pas mal. Bon, j'aurais bien aimé à plus de choses. On a eu des nouveaux trucs, des événements qui vont arriver. Mais c'était plutôt bien, franchement. Un nouveau jeu Pokémon, comme on a vu à la fin. Ça sort en 2025 comme Layton. Ah là là, et il y aura la Switch 2 aussi. Il y aura aussi la Switch 2, hein. Ou alors peut-être que la Switch 2, c'est pas maintenant. Mais on ne sait jamais. Eh ben voilà, du coup les amis, c'est la fin de cette vidéo sur le Pokémon Direct, hein. C'est vrai que le Direct a duré que 12 minutes, c'est pas si long, mais on a eu quand même plusieurs informations, c'est ça qui compte. Mais j'ai vraiment apprécié quand même, c'était bien, et surtout la dernière annonce à la fin, comme dans les Directs, les Nintendo Direct, c'était bien, et du coup on verra pour... C'est peut-être pas un nouveau Pokémon vraiment comme la génération 10, mais c'est une aventure, c'est comme les jeunes Pokémon Arceus, hein, qui était déjà sorti sur Switch, là, ce jeu-là. Mais ça pourrait être super bien. Bon voilà les amis, en tout cas c'est la fin de cette vidéo. Que pensez-vous du Pokémon Direct? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. C'était vraiment bien. Et en tout cas, bah j'espère que vous avez apprécié. En tout cas c'était vraiment bien. Vous me donnerez votre avis dans les commentaires. Et ben voilà, du coup les amis, bah c'est la fin de cette vidéo. En tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Voilà les amis, c'était Homer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt pour des nouvelles vidéos. Merci les amis, à bientôt pour des nouvelles vidéos. À bientôt, ciao, à bientôt.